Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo. Ben, ceux qui étaient là dimanche pendant le live, qui ont vu le replay sur Twitch, ils ont vu que dimanche sur Twitch à 16h, on a fait l'enregistrement des deux émissions. Ensuite, on les cut et on les met sur GLG vidéo le mercredi avec du vêtement et le samedi avec du putaclic. Bon, aujourd'hui, c'est demi putaclic. Après, vous verrez que ça sera beaucoup plus intéressant la semaine prochaine avec une montre qui ressemble fortement à l'Apple Watch Ultra pour 35€, charge sans fil, finition métal. Enfin, bon, on verra ça. Je ne voudrais pas vous teaser. L'enregistrement, ce sera dimanche à 16h sur Twitch et samedi prochain pour vous sur GLG vidéo. Allez, on commence par la marque Inflation. Tchou ! Allez, découvrons un petit peu le site Inflation. J'adore le nom. C'est, je sais pas, la marque la plus tendance du moment. Tout le monde en parle. Sur toutes les télés et sur toutes les radios. Bon, il y a des trucs un peu sympas. Bon, là, on est plutôt dans Oxford, voilà, ce truc, et pyjama, voilà. Non, il y a des trucs plein trop bien, là. Non, fais voir vos meilleures ventes. Oh, la doudoune, sympa, avec la capuche et tout, voilà. Il y avait des trucs plus exotiques quand j'ai fait sur l'achat et tout. Et les gros pyjamas, ça fait très marque coréenne avec les pyjamas. Oh, c'est horrible, ces pyjamas. Mais ça se trouve, c'est super confortable et chaud. Comme vous n'allez plus avoir d'électricité, plus de chauffage, en même temps, on va dire, fonce, Alphonse. Voilà, on regarde un peu dans les articles en promo. Ouais, il y a des trucs sympas. Je sais pas, c'est un style qui est très particulier, hein, en même temps. Voilà. Soit t'accroches, soit t'accroches pas. Allez, premier produit, j'ai pris une casquette. Oui, parce que casquette à l'envers, voilà. Donc, non, parce que j'aime bien, je vais prendre des produits que je vais garder pour moi. C'est passé quoi, là? On dirait, ah oui, ils font des... J'ai vu la fois, j'ai reçu un truc, c'était un enveloppe à bulles et tout. Là, j'ai un cutter, mais bon, moi, on me donne un cutter et un emballage, je déchire tout, la casquette, l'emballage, le logo et tout. Allez, alors, combien la casquette? 12,59€ pour vous, en France, taille unique. Donc on risque pas de se tromper. Alors, si on prend la casquette, on va enlever ça, là. Oh, oh super. En fait, j'ai commandé il y a tellement longtemps. Et après, bon, vous savez, il faut le temps que ça arrive et tout. Puis après, je l'ai laissé... j'ai laissé les sacs là. Puis après, je me dis, j'attends vraiment de les déballer pour... Ah, c'est bien, ça. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est l'étiquette. 100%... New Wave Street Culture Design by Inflation. Voilà, donc c'est vraiment leur marque. Ok, ça c'est bon. À l'intérieur, petit logo Hongba. Est-ce que Hongba? Ici, jeune, young, youth, comme moi. Voilà, elle est très quali. Voilà. Je vous fais pas essayage tout de suite. Attention, ah, bon, il est chauve. Non, il n'est pas encore chauve. Ça va. Alors, oh putain, pile. Il l'a déjà essayé avant. Waouh. Ouais, super. Magnifique cette casquette. Tu vois? Trop bien, regarde, elle est un peu inclinée comme ça. Nanana. Le petit truc à l'arrière, la casquette à l'envers. Je sais pas si on peut pas le mettre dans une. Il n'y a pas une boucle là, on peut pas le mettre dedans, fais voir. Non? Si on met à l'envers. Oh mais il y a un petit smiley, regarde. Voilà. Prince de Bel Air. Attends, on va mettre ça là-dedans. On va remettre ça là derrière. Pas mal. Pas mal. Bon, le bleu, ça pique un peu. Mais personnellement, j'aime bien. Allez, si on reprend sur leur site, disponible en noir, en bleu ou en beige. Sand, sable. Bah, oui, bien évidemment. Mesure, très bien. Putain, elle était pile à ma taille. Hein. Pile ma tête. Là, toujours les vidéos de la routine. Sur une grosse tête et tout, il n'y a jamais rien qui rentre dedans. On peut l'ouvrir et la fermer avec le petit truc devant. Elle est super classe. Hein. Regarde, hop là. Waouh. Oh, putain, la vache, le crâne est garni. L'onuque. Voilà. J'aime beaucoup. Super classe. Très bien fini. Elle n'est pas excessivement chère. 12 balles, après il n'y a pas non plus... ouais, d'accord, c'est de la casquette, ça s'achète, hein. C'est la casquette générique, ils ont juste fait broder un truc ici, et les trucs bleus à l'arrière, le petit smiley et tout. Non, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, je vais voir l'avis du chat, et après on fera le deuxième produit. Allez, c'est parti pour notre deuxième article, j'ai pris un t-shirt de la marque Inflation. Le Made in China, là, mon pote, je peux dire, on ne trompera pas sur la marchandise. Alors, comment ça s'ouvre? Comme si c'était important. Comment ça s'ouvre? Le moment ASMR. Putain, j'ai pris quelle taille là? J'ai pris triple XL ou quoi? J'ai regardé. J'ai pris L. Non, ça a l'air d'être le jour et la nuit là. J'ai pris L pour. Oh la vache, c'est un pyjama.
Ah, ça va. Ça va. Oh la vache, ouais, oh, les épaules. Alors, c'est les coupes tordues, tu vois. C'est les épaules, on voit qu'il n'y a rien qui va. Et il est L, t'imagines? Il y a L et. Non, il y a MLXL. Ah ouais, putain, là, le L, waouh! Alors, vous allez voir un peu. Attends, j'ai perdu la caméra. J'ai perdu la caméra. Bon, nice day. Not good, but not bad. Il est pas mal, hein, en mode smiley, comme ça, là. Ah, advice, ah, il est pas mal, mais il est sympa. La qualité a l'air super clean. Alors, New Wave Street Culture Design by Inflation, L. Putain, alors là, par contre, autant l'autre, là, le L, c'est fait pour un boys band, autant là, c'est fait pour du K-pop. Alors, New Wave Street Culture, 100% coton ou 100% coton. Bon, bah écoute, moi, je pense qu'on va essayer. Eh ben écoute, alors le problème c'est que voilà, il y a du verre et tout. Bon, la taille, ouais, marque ouais, XL. Elle, putain, il est large. Putain, regardez les épaules. Les épaules, elles sont là. Le truc, il tape jusque là. C'est aussi moche que sur leur publicité. Lui, on voit bien que de toute façon, ouais, c'est fait pour être porté comme ça. C'est parce que je suis pas branché. Mais il y en a plein sur Internet, ces espèces de genre de t-shirt, tu sais, beaucoup trop grand. Et là, en fait, celui-là, il est pas si grand que ça, mais il a une coupe de bizarre. Il a une coupe bizarre. Je n'ai pas du tout l'habitude de porter comme ça. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien, il descend pas plus bas que toi. Il ne descend pas ici, là. Il va bien au niveau du bas et tout. Ça aurait mérité un M, hein, quand même, hein, malgré tout, pour avoir un truc un peu plus sympa. M, je suis pas allé jusqu'au bus. Je me suis dit, L, c'est bon, quoi, tu vois. Et ouais, alors que ça. Non, ça se porte comme ça. Hein. Lui, il le porte, voilà, il l'a bien ici, là. Après, on voit bien que ça tombe pas du tout au niveau des épaules, ça tombe beaucoup plus bas. C'est vrai que si ça tombait. La coupe est tellement. On l'a vu tout à l'heure, la coupe est tellement en pyramide que c'est vrai que même si c'était plus court, ça serait pas. Non, non, c'est fait pour être porté comme ça. C'est pas du tout ma cam. Mais bon, pourquoi pas, je veux dire, pour être jeune et... Ouais, elle a un truc, elle, ça doit être une grignette, voilà. Elle porte le M le plus petit qu'ils avaient et c'est une robe. Ah oh, ouais, là, carrément. Voilà. Bon, il est très, très quali. Bon, 21,19€ quand même, hein. Ils en font pas cadeau, hein, du dossier, là. Je suis pas... mes fans. Fais voir, attends, si je remets en face cap. Là, voilà, il n'y a pas de... Ah si, il y a toujours le fond vert là. Putain, mais il y a du fond vert partout là, dans cette histoire. Pac, voilà, regarde. Et sans le fond. Si, sans le fond vert. Toujours avec le fond vert. Mais avec le t-shirt. Écoute, les couleurs sont sympas. Le logo aussi. Après, ça se porte comme ça. Hein. Je veux dire, tous les rappeurs coréens de chez K-pop, ils ont le même. Donc en même temps, à mon avis, c'est comme ça que ça se porte. Vous me direz ça dans les commentaires. J'aime bien aussi, pourquoi pas. Eh ben écoute, les deux produits de la marque Inflation, vive. J'ai envie de vous dire, vive l'inflation. Non, ben non, bien sûr que non. Mais les deux produits sont très quali. Alors, c'est pas les moins chers qu'on a vu, mais bon, la casquette à 12,59€, je la trouve très quali, très sympa. Après, à l'envers, comme ça... En mettant un peu le truc sur le côté, à l'envers avec le smiley et tout, ouais, c'est bien. Oh, putain, j'ai gagné, j'ai pris 5 ans de moins de vie. J'ai pris 5 ans de. Regarde, on dirait pas 35 ans là, tranquille, regarde. Non, bon, ouais, j'aurais essayé. La casquette, trop bien, 12,59€. Je trouve que le prix est bien justifié. Encore une fois, c'est une marque qui est très jeune, hein, comme moi. Donc, forcément, si vous êtes vieux comme mon auditoire, mon audience. Ça sera peut-être pas votre cam, mais bon, peut-être pour vos enfants. Prince de Bel-Air. Vraiment, Prince de Bel-Air. Le mec qui a 30 ans, mais... No copyright. Bon, la casquette, j'aime beaucoup. Le t-shirt... C'est un autre délire. L'autre était tellement moulant. L'autre était trop moulant. Celui que j'avais à la base, à l'origine, était bien. Avec le Star Wars dessus et tout, était ma taille. L'autre était peut-être un peu trop moulant. Et lui, il est peut-être un peu trop... Non, il est à ma taille, mais la coupe est complètement bizarre, voilà. Et 21,19€ quand même, voilà. Vous me direz, j'aime beaucoup le petit Mario dessus. Nice day et tout. C'est un autre style, encore une fois. Voilà, on est K-pop. On va pas capoter. Voilà. Voilà, on est aujourd'hui, on est comme ça. Inflation nous fait des blagues. Vous me direz, de la casquette ou le t-shirt, quel est votre produit préféré? Hein, bah, je lis tous les commentaires, tout ça. Et puis, nous, on se retrouvera bah, alors, dimanche prochain pour l'enregistrement. Dimanche prochain, on fera une marque et l'Apple Watch Ultra, tout ça, 35€. Et on verra que par rapport à la vraie...
incroyable. Pour le prix, on verra que par rapport au prix, si vous avez suivi mon sur Instagram, entre celle-là qui vaut quand même 35 balles, hop là, l'autre est tombée. Entre celle-là qui vaut 35 balles, et franchement, pour 35 balles, elle est vraiment pas mal, et celle-là qui vaut chez vous 1000 balles, et pour 1000 balles, bon, elle est pas mal, mais bon, 1000 balles quoi. 35 balles, voilà, on verra ça la semaine prochaine. Vous verrez l'enregistrement dimanche à 16h sur Twitch et après samedi de la semaine d'après sur GLG Vidéo. Et merci à tous, je vais finir un peu avec le chat. Allez, bye bye.